Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons faire un immeuble. Enfin, pas un immeuble, mais plutôt un immeuble, tout simplement. Vous aurez besoin de béton blanc, de béton gris clair, de vitres et de murets de pierre taille. Voilà. Vous allez commencer par faire un 10. Par contre depuis le début. Voilà. Du coup là j'ai mon petit 10. Vous en mettez 5, donc ça va faire 15. Puis vous faites un grand 20. À partir d'ici, donc 19 en tout. Voilà. Vous remplissez tout. Voilà. Ça c'est fait. Vous allez prendre. J'ai oublié de le dire au début, vous allez prendre des dalles en briques. En des dalles de briques tout simplement. Vous faites 1, 2, 3. Et ici 1, 2, 3. Pour tout ça, faire 4. Je préfère quand même faire 5. Et même 6, ça arrivera un petit peu de taille, mais ça ne fait rien. Voilà, ici sera le hall. Non, c'est pour les briques, les tons gris clair, c'est pour en mettre un là. Puis ici, mais non, pas pour mettre ici. C'est pour faire ça, voilà. Parce que le sol, il sera en béton gris clair. Donc ça c'est fait. Vous avez fini votre carré. Donc ici vous mettez 1, 2, 3, donc la taille d'un mur dans Minecraft. Enfin moi je l'ai fait comme ça en tout cas. Vous rejoignez avec ici. De 1 comme ça. Vous allez mettre encore du gris clair. Voilà. Déjà ici, vous avez la base de la construction, tout simplement. Elle est toute simple. Mince. Comme ça. Voilà. Mince. J'ai dit que ça était en béton gris clair. Ça c'est fait, la même chose de l'autre côté. Vous entourez de verre, enfin à part ici, sinon vous ne pourrez pas rentrer, à part si vous sautez. Voilà. Donc si vous avez une partie de votre immeuble. Donc là vous faites repasser de 1 parce que les fenêtres sont un tout petit peu en l'air. Et d'ailleurs à chaque coin, vous mettez jusqu'en haut du béton gris clair. Oui, si pour l'instant ça fait ça. Du coup, même chose de l'autre côté. Non, ça va comme ça. Voilà. Encore une fois, la même chose de l'autre côté. Ça c'est fait. Ah, ça c'est un des PNJ que j'avais mis. Est-ce que c'est Gabriel? Voilà, il n'y a pas de nom. Attends. Donc, du coup, c'est la même chose que les autres côtés. Vu que c'est un des côtés. Voilà. Ici, pareil.
Et puis tout ce que je fais, ça sort de mon inspiration. J'ai pas tout prévu à l'avance. Comme d'autres youtubeurs. Voilà. C'est pour ça que des fois, je prends un peu de temps à réfléchir. Genre, tout ce que j'ai fait pour l'instant, c'était que du même l'animalerie. Tout ce que j'ai fait, c'était pris, c'était fait, c'était pas fait à l'avance. Ça sortait de mon imagination d'un coup. Voilà. Donc maintenant, vous faites des 1-2. S'il y a la place. Si vous avez vous un peu. Ah mince, ça casse tout. Voilà. 1, 2. Non, 1, 2. Voilà, 1, 2. Voilà. Vous remplissez deux fenêtres. Ah voilà, j'ai retrouvé ce que c'était. Un appartement. Parce que je disais un immeuble, mais c'était un appartement. Enfin, vous allez me dire, c'est la même chose. Vous allez faire des 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. J'ai vraiment de la chance. Hein. Voilà, c'est fait. Et si vous vous demandez pourquoi il y a deux blocs ici, parce que tout simplement, en fait, j'ai fait pour que ça fasse. Comment dire? Ah oui, pour que le sol soit égal, pour pas que ça fasse des baies vitrées. Bah, tant pis. Tout était bon jusqu'ici. Ça fait rien, ça fait juste un écart de 1. Ça fait assez joli. Donc voilà. Ici. On va couper en deux. Voilà. Ça c'est fait. Bon, pour l'instant, ça ressemble à ça. On a ces styles. Maintenant, vous allez faire deux, un comme ça. Hop là. Ça c'est fait, voilà. Donc ici vous remplissez tout et voilà, tout est fait. Du coup ici maintenant vous allez tout prendre, vous allez tout refermer. Bon, vous voyez quand même que ça fait haut. C'est quand même un bon petit un bel appartement. Voilà, vous remplissez tout. Et du coup finalement j'ai décidé de remettre un à chaque fois parce que sinon finalement ça fait pas assez beau parce que l'immeuble est quand même grand quoi. Ici, là, là vous avez un beau petit immeuble. Attendez, je regarde si ça peut coller. Non, ça colle pas. Tout simplement, vous allez faire ça comme ça. Et voilà. Du coup, ici, il y aura un petit balcon pour tous ceux qui habitent dedans. Vous allez faire 1, 2, 3, 4. Pour qu'on voit que ça soutient quelque chose.
remettez un petit, une petite litre. Et du coup, maintenant ici, vous faites exactement la même chose qu'il y a ici. Enfin, pas exactement. Il y aura juste un bloc de moins. Enfin, ça fait rien. La moitié, donc 4, 1, 3, 4, oui. Donc ici vous remplissez, mince, vous remplissez de vide. Et puis au-dessus, moi de toute façon je vais pas en faire quelque chose d'habitable, je vais tout simplement en faire par exemple un petit terrain de jeu ou un truc comme ça, avec une petite fontaine ou des choses comme ça, tout simplement. Voilà. Du coup, ça c'est fait. Ici vous en mettez deux. Ils auront vu sur les autres gens. Enfin, c'était un peu bête finalement de mettre des fenêtres ici parce que du coup on voit rien. Voilà. Un, deux et un, deux. Oh, c'est un, deux, trois. Voilà. Ça c'est fait. Et mince. Et. Ça c'est fait. Donc ici vous allez faire exactement la même chose que le côté qui est devant. 1, 2, 3, 4. Vous faites monter 2. 1, 2, 3, 4. Et vous faites monter 2. Voilà, j'ai fait 3. 4. Voilà, 4. Vous faites monter 2. Et puis ici, vous faites encore une fois 4. Et puis vous refaites monter 2, 2. Voilà. Maintenant, vous faites votre bande grise. Vous remplissez de litres. Si vous voulez faire la même chose que de l'autre côté. Attendez. Voilà. Du coup, ici, il y avait un 2. Puis un 2, un 2. Voilà. Si vous avez envie en dessous, vous pouvez faire une case parce qu'il y a la place. Moi j'ai fait souvent sur un monde sur plat, donc moi aussi j'aurai la place. Puis maintenant, ici vous remettez votre plafond et puis le bâtiment sera presque fini. Maintenant, on peut ici, là, vu que c'est au milieu du bâtiment, vous cassez. Vous mettez ça comme ça. Puis vous allez casser 1, 2, 3, 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Voilà. Vous faites monter un truc comme ça jusqu'en haut, quasi. Attendez. Bah, ça, finalement, on va tout relier ensemble, ça fera beaucoup plus beau. Un téléphone vient de vibrer. Oh mince. Bien, je vais enlever de cette communauté parce que j'ai plus envie d'en faire partie.
Voilà. Ça c'est fait. On mettait des petites barrières de sécurité. Voilà, ça c'est fait. Du coup, il n'y a qu'un petit espace pour passer. Si vous tombez, bah, alors là, c'est votre faute. Voilà. Ici, vous allez faire dépasser d'un carré. Ça fasse un, parce que ça donne un petit peu de relief. Voilà. Ça c'est fait. Puis vous mettez une deuxième bande par au-dessus. Puis pas besoin de remplir parce que vous n'allez pas aller au-dessus. À moins que vous avez envie de faire un hélicoptère, mais si on met pas un hélicoptère au-dessus d'un appartement, c'est un peu bizarre. Et voilà. Après, du coup, moi je vais quand même le remplir après, mais voilà. Ici vous avez votre appartement très moderne d'ailleurs. Si vous avez envie de mettre une deuxième bande, vous pouvez, ou tout simplement comme ça. Il aurait pas avancé, mais ça fait joli. Allez, on le fait. Et voilà. Ici vous avez votre bâtiment moderne, très moderne, un gros bâtiment. Avec une très belle entrée, après vous pouvez l'agencer comme vous voulez, ou vous simplement en faire votre propre maison. Et voilà. Du coup, ici, ça c'est fait. Et puis, bah. Ça fera peut-être un petit peu plus joli si on fait comme ça. Ouais, ça fait un petit peu plus joli. Voilà. Donc bah, je vous dis au revoir. Et puis bah tout simplement au revoir pour une prochaine nouvelle vidéo. Désolée, pour une nouvelle vidéo. Ciao.